Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va passer à la partie codage de la version 1 du jeu Memory. Alors, pour cette application, vous devez avoir vu d'abord la vidéo précédente qui est à l'adresse indiquée ici. Vous pouvez aussi retrouver le cours en ligne pour cette application qui est indiquée ici. Et vous avez, pour vous faciliter le démarrage, un canevas de départ que l'on a vu dans la vidéo précédente. Bon, vous recopiez l'adresse et vous pouvez démarrer l'application. Alors la principale chose que l'on a faite dans la première partie et la première vidéo, c'est de décrire de façon très précise le comportement de cette application et de le représenter sous forme de diagramme des flux avec en hexagone jaune les événements et en rectangle bleu les activités ou les fonctions. Et bien maintenant, ce que l'on va faire, c'est coder ces fonctions en suivant le diagramme des flux. Alors pour démarrer, vous cliquez sur le lien que j'ai indiqué tout à l'heure ou vous allez sur le site internet et vous cliquez sur le lien de démarrage dans les ressources en entrée. Au bout de 10 à 20 secondes, le projet Memory Start s'ouvre à condition qu'il n'existe pas déjà. Ce canevas de départ, il est déjà largement renseigné. Il comprend un arrangement de type tableau dans lequel on va mettre les différentes cases et les images, ou boutons plus précisément. Dans cet arrangement de tableau, je n'ai déclaré que le premier bouton que j'ai appelé bouton case 1. Vous devez créer les trois autres, bouton case 2, bouton case 3, bouton case 4. Ensuite, sous ce tableau, on a un arrangement horizontal qui est ici, dans lequel on a des labels, et en particulier le label pour compter les essais, le label pour compter les erreurs, et pour le label pour compter le nombre d'images trouvées, qui se trouvent respectivement ici, ici et ici. En dessous de cet arrangement horizontal, on en a un autre dans lequel on a deux boutons, le bouton recommencer qui va permettre de recommencer une partie et le bouton continuer qui lui va permettre de reprendre la partie après un choix erroné puisqu'il faut dans ce cas-là laisser le temps au joueur de regarder les images qu'il a ouvertes. Ensuite, on peut rajouter, c'est ce que j'ai fait moi, un label que j'ai appelé le label debug dans lequel on va pouvoir afficher des résultats intermédiaires pendant la phase de mise au point. Les deux composants non visibles qui sont utilisés dans cet arrangement, eh bien c'est un notificateur qui va nous permettre d'afficher les messages et puis un composant son qui va permettre de faire vibrer le téléphone quand les choix de l'utilisateur ne sont pas les bons. Alors si vous voulez créer ce projet à partir d'un projet neuf, eh bien vous avez toutes les indications sur Internet. Ce que l'on va faire là, c'est créer les trois boutons. Donc je crée un deuxième bouton que je vais appeler bouton case 2. Et je vais supprimer la partie textuelle ici. Au niveau de la taille, je peux la laisser en automatique et je vais d'ailleurs remettre le bouton 1 en automatique. La taille elle-même sera réglée par une des procédures appelées à l'initialisation. Ensuite, vous pouvez créer les deux autres boutons et changer leur nom. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à la programmation en cliquant sur le bouton débloque, où je retrouve les variables que j'avais initialisées avec le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc le nombre de cases qui est initialisé à 0 mais qui sera égal au nombre de lignes que multiplie le nombre de colonnes. Et ensuite on va voir la liste des images de cases et la liste des images à répartir dans les cases. On a pour l'image cachée ou le dos de la carte, on va avoir une variable qu'on appelle image cachée qui est initialisée à back.png. Ça c'est une image que j'ai déjà chargée dans la partie designer. La partie image blanche, elle ne sera pas utilisée, mais c'est 0.png, elle sera utilisée uniquement dans la version 2. On a ici à droite deux variables qui désignent le numéro de la case choisie en premier, le numéro de la case choisie en second, et les deux variables image du choix 1 et image du choix 2 correspondent aux deux images à ces deux index. Donc je vais passer au codage et à la préparation d'une partie qui correspond à deux événements. Premièrement, quand screen initialize, et le deuxième événement, c'est quand je recommence une partie, quand j'appuie sur le bouton. Quand bouton recommencer une partie. Dans ce cas-là, ce que je dois faire, c'est appeler une procédure qui va s'appeler démarrer. Donc, je vais créer une procédure qui s'appelle démarrer et que je vais appeler depuis les deux événements que je viens de prendre. La procédure démarrer, on a défini ce qu'elle devait faire dans l'analyse et dans le diagramme des flux. Elle doit tirer au sort les images des cases, elle doit initialiser les boutons ou leur taille, elle doit cacher les images, elle doit activer les cases cachées et enfin elle doit mettre le compteur à zéro. Alors pour ça, on va créer quatre fonctions dont on a défini le nom dans l'analyse et dans le diagramme des flux. Ici, je les avais préparées. De votre côté, vous devrez les créer à partir de l'onglet des procédures.
Et ces procédures, on va les appeler depuis la procédure démarrée. Alors, pour terminer la procédure démarrée, il y a un truc à pas oublier, c'est de dire que le nombre de cases avec lesquelles on joue, c'est égal au nombre de lignes que multiplie le nombre de colonnes. Ensuite, il faut réinitialiser les compteurs. Donc, ces compteurs, ils sont dans les labels, vous irez les chercher vous-même, là, je les ai déjà préparés. Il faut mettre que le label de nombre trouvé est égal à 0, que le nombre d'essais, toujours un label, est égal à 0, et que le nombre d'erreurs est également égal à 0. Et puis, ce qu'il faut faire également, c'est dire que le bouton recommencer est invisible et que le bouton continuer après une erreur est également invisible. Ces boutons, ils apparaîtront quand on voudra recommencer ou après une erreur. Enfin, le dernier point à corriger, c'est de dire que le choix numéro 1 et le choix numéro 2, pour l'instant, ils n'ont pas été faits, donc la valeur de la variable ou des variables correspondantes, c'est bien égal à 0. Voilà, donc là, on a fini la procédure démarrée. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des autres procédures, le tirage au sort, l'initialisation des boutons, etc. On va commencer par remettre un peu d'ordre et puis on va commencer par les choses les plus faciles. Alors, pour cacher les cases, comment on va faire? Eh bien, on va dire tout simplement que pour chaque bouton case, l'image est égale à l'image cachée back.png. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va activer les cases cachées? Alors on ne veut pas activer les cases déjà visibles parce que les cases visibles, ça correspond à des images dont les paires ont déjà été découvertes. Eh bien, on va tester avec une fonction de contrôle si la case est cachée, c'est-à-dire si son image est égale à l'image cachée, et si oui, eh bien, on va l'activer en modifiant la propriété correspondante. Et ça, on va le faire pour les quatre images. Je vais en profiter pour rajouter une fonction correspondant à désactiver toutes les cases. C'est une fonction dont on aura besoin tout à l'heure. Et pour le faire, eh bien pour chaque bouton, on déclare que la propriété activée est à faux. Ensuite, je vais régler la question de la largeur et de la hauteur de chaque case. Donc pour ça, je vais déclarer deux variables locales. Une variable locale que je vais appeler largeur case et une autre variable locale que je déclare en cliquant sur la petite roulette que je vais appeler hauteur case. La largeur case, en fait, c'est la largeur du l'arrangement tableau que divise le nombre de colonnes. Alors, cette formule, je l'ai déjà préparée, je la mets ici. Donc, je dis que la largeur de la case, c'est la largeur de l'arrangement du tableau divisé par le nombre de colonnes. Et de la même manière, la hauteur de chaque case ou de chaque carte, c'est la hauteur du tableau que divise le nombre de lignes. Ensuite, je vais dire que chacune des case a pour largeur cette largeur case. Je le fais pour le 1, je le fais pour le 2, pour le 3 et pour la quatrième. Je dois le faire une fois pour chaque bouton. Et de la même manière, il faut dire que la hauteur de chaque bouton est égale à la variable hauteur case que j'ai calculée au début de la procédure.
Alors, vous remarquez ici que j'ai utilisé une variable locale et même deux variables locales. Et ces variables ne sont connues qu'à l'intérieur de cette procédure. Donc, elles ne vont pas venir embarrasser le reste du code. Alors, je vais maintenant tester ces fonctions en me connectant sur l'AI Compagnon côté PC et en me connectant sur l'MIT Compagnon côté téléphone. Je lis le flashcode et l'application démarre. Alors, quand je clique sur une carte, je vois qu'elle est active puisqu'elle réagit. Mais par contre, rien ne se passe, c'est normal puisque je n'ai pas encore programmé le jeu. Je vois un truc bizarre, c'est que la largeur de carte de droite n'a pas l'air normale. Alors, je vais vérifier le code, il doit y avoir un bug. Et en fait, ce que j'ai oublié, c'est d'indiquer que c'était la case 4. Là, j'ai indiqué deux fois la case 3. Donc, je vais corriger ça. Et puis, je vais relancer. Alors, pour relancer, ce qu'on fait, c'est qu'il faut simplement changer quelque chose dans le designer. Et voilà, maintenant j'ai un comportement qui est plus normal. Donc vous voyez que les tests, ça permet de trouver des petits bugs ou des gros parfois parce que ça ne marche rarement du premier coup. Voilà, ben maintenant on va passer à la dernière fonction de cette procédure de démarrage. C'est de tirer au sort les images associées à chaque case. Alors pour la procédure de tirage au sort des images, eh bien, je vais partir d'un catalogue d'images que j'ai chargé dans le designer et que j'ai nommé 1.png, 2.png jusqu'à 8.png. Alors ici, j'ai 4 cases dans cette version 1, donc j'ai 2 paires. Il va falloir que je sélectionne donc 2 images dans ce catalogue. Mettons 1.png et 2.png. Ensuite, ces images, je vais les mettre dans une première liste que je vais ensuite répartir. Je vais ensuite les affecter en tirant au sort une image pour chaque case et je vais le mettre dans la liste des images de cases. Alors pour faire ça, je vais faire une boucle sur le nombre de cases. Je vais tirer au sort la première image et je vais la retirer de la première liste pour la mettre dans la seconde. Je vais recommencer. Pour la deuxième, je retire au sort une image dans celle qui reste. Donc je l'affecte à la seconde liste et je la retire de la première. Et je recommence une troisième fois. Je la mets dans la deuxième liste et là je la retire de la première et à la fin je le fais pareil pour la quatrième image. Alors donc là j'ai bien dans la liste des images de cases 4 images qui ont été tirées au hasard et j'aurai bien 4 images à visualiser quand je clique dessus. Alors on va passer au codage et on va manipuler des listes, ce qui n'est pas facile, donc concentrez-vous bien pendant 5 minutes. On va d'abord remplir la liste des images à répartir dans les cases. On va donc dire que cette variable est une liste, donc on va créer une liste qui doit contenir exactement 4 éléments puisqu'on a 2 paires d'images. Donc je vais rajouter 2 éléments et je vais mettre les 2 paires. Donc dans la première image, je vais mettre l'image 1.png. Dans la deuxième image, je vais remettre la même. Dans la troisième image, je vais mettre 2 .png et dans la quatrième je vais mettre aussi 2.png. Voilà, donc là j'ai une liste d'images à répartir qui contient 2 paires d'images et ce qui est très important c'est que la longueur de cette liste soit exactement égale au nombre de cases à utiliser. Ce que l'on doit faire maintenant c'est remplir la liste des images de cases en vidant de façon aléatoire cette première liste d'images à répartir. Eh bien, on va d'abord déclarer que la liste des images de cases est une liste vide. Ensuite, on va prendre les images de la première liste pour les mettre dans la seconde et les retirer de la première. Donc pour ça, on va utiliser une boucle qui va être sur le nombre de cases. Mais on va avoir besoin de deux variables locales, l'index et le nom de l'image, pour effectuer ce transfert. Donc, je prends des variables, j'initialise une variable locale que j'appelle index, que j'initialise à 0, et une deuxième variable que je vais appeler image. Que j'initialise à une chaîne vide. Et la boucle, je vais le mettre ici. Alors l'index, ça va être le numéro aléatoire de l'image que je vais prendre
dans la première liste, mais dans les images qui restent, puisque au fur et à mesure que je vide cette liste, eh bien, il y a de moins en moins d'images. Je vais donc dire que l'index est un nombre aléatoire qui est compris entre 1 et la longueur de la liste. Des images à répartir ou ce qu'il en reste. L'image qui se trouve à cet index, je peux l'obtenir avec un bloc de la liste. L'image, c'est dans la liste des images à répartir, celle qui correspond à l'index. Et ça, je vais le mettre dans la variable image. Donc vous voyez qu'ici, j'ai choisi de façon aléatoire un index, ensuite j'ai récupéré l'image à cet index. Cette image, je vais l'ajouter à la liste des images de cases. Donc je vais prendre dans les commandes de liste, la commande qui permet d'ajouter à la liste des images de cases, image qui est l'image à cet index. Donc, ça y est, j'ai rajouté l'image que j'ai prise dans la première liste à la seconde, mais maintenant, il faut que je supprime cette image de la première liste des images à répartir. Donc, je vais de nouveau aller chercher une commande de liste et je vais dire de supprimer de la liste des images à répartir l'image qui correspond à l'index. La première fois, la longueur de la liste des images à répartir, ça sera 4. La seconde fois, ça sera 3. La troisième fois, ça sera 2. Et la dernière fois, ça sera 1. Si bien qu'au bout de 4 fois, qui est le nombre de cases utilisées, eh bien, ma première liste sera vide et ma deuxième liste sera remplie. Alors ça y est, j'ai terminé le codage de la fonction qui tire au sort les images de cases. Alors on peut vérifier que ça marche en se connectant, vous savez déjà le faire, et vous pouvez encore une fois vérifier que les boutons sont réactifs, mais vous n'avez pas de vérification du fait que les images ont bien été renseignées. Alors pour faire ça, il faut rajouter des blocs, et pour ça, on avait prévu, vous vous en rappelez peut-être, un arrangement et avec des labels pour le debug. Dans le premier label, on va afficher la liste des images avant répartition, et dans le second label, on va afficher la liste des images de cases après répartition. Alors, pour redémarrer et avoir une démonstration, il faut que je modifie quelque chose dans le designer. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ai la liste qui est affichée. J'ai donc, avant répartition, j'ai 1.png, 1.png, 2.png, 2.png. Et après répartition, je vois que l'ordre a changé. Donc, a priori, c'est bon. Ça marche. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, au jeu lui-même, et ça on va le faire dans une vidéo séparée dont l'adresse est indiquée ici. À tout à l'heure.